Salut, c'est Arnaud du team Berkeley France. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de la famille Pulse Realistic de chez Berkeley. La famille Pulse Realistic est composée de trois modèles de chats différents, les perches, les gobies et les roaches. Le Pulse Realistic Roach, il est disponible en 3 tailles, en 7, en 11 et en 15 cm et en 4 coloris. Donc ce leurre-là, il a un large profil, ce qui permet d'avoir une belle action de flanc, un large paddle aussi pour pouvoir brasser beaucoup d'eau et du coup avoir un signal vibratoire et sonore assez fort. Le point fort de cette gamme, c'est que tous les shads ont une bouche comme ça ouverte qui va pouvoir faciliter le collage sur une tête plombée. Donc avec le modèle Roach, moi je vais en grande taille, en 15 cm, on va pouvoir pêcher les brochets bien sûr, parce qu'on va déplacer beaucoup d'eau. On va pouvoir aussi pêcher les grosses perches, hein, parce que c'est quand même une taille assez importante, et les cendres. Les tailles plus petites, c'est des tailles un peu plus passe-partout. Là, on va pouvoir pêcher les perches et les cendres. Et sur la toute petite taille, donc 7 cm, là, on va plutôt viser les perches. Donc maintenant, on va parler du perch. Le perch, il a un large paddle aussi, avec une queue assez fine, qui va vibrer un peu plus étroitement que le roach. Il a aussi un profil un peu plus rond, ce qui va lui permettre d'avoir un déhanchement plus important. Moi, je vais pêcher sur la taille 11 cm pour les perches et les cendres. C'est une taille vraiment passe-partout. La taille 15 cm aussi, ça va attraper de tout. En gros, il n'y a pas de grosse taille, donc on va pouvoir pêcher un peu tous les carnassiers. Enfin, on va parler du gobi. Le gobi, il est assez particulier, il est assez intéressant parce que le paddle va rentrer en action de nage dès sa rentrée dans l'eau, même à faible vitesse de récupération. Il va avoir une nage très très serrée, un signal assez aigu. Et ça va être intéressant sur les poissons difficiles ou les perches en verticale sur la perche ou le cendre. Chaque forme de chat de la gamme Pulse Realistic est disponible dans 4 coloris différents, des coloris agressifs et des coloris naturels, de quoi pêcher par toutes les conditions, par toutes les teintes d'eau. Moi, je vous conseille de commencer déjà par pêcher lors de temps nuageux comme maintenant et dans des eaux un petit peu piquées. On va pêcher avec des leurres plus agressifs, avec des coloris plus agressifs. Et au contraire, sur des météos un peu plus claires où il y a un grand ciel bleu, une eau assez claire, on va utiliser des coloris plus naturels. Ça, c'est une bonne base pour démarrer. Ces leurres sont disponibles soit en vrac, soit sous blister par famille. Dans le blister, on va retrouver 4 leurres. Donc là, par exemple, ce sont des gobies qui sont prémontées dans les 4 coloris de la gamme. Retrouvez toutes les informations des Pulse Realistic sur le site Berkeley Europe, sur nos réseaux sociaux, ainsi que chez vos détaillants habituels. À très bientôt au bord de l'eau. Ciao !